La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel parce que je suis vivant. Mon âme bénit l'Éternel pour tous ses bienfaits. En ce moment, j'aimerais, de la même manière que tu as dansé, de cette même manière, que tu puisses projeter ton cœur à l'adoration. Nous voulons adorer le Dieu de grâce. Talandengo zali, talandengo nzamba sali, talandengo nzamba zopesa au souffle de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer déjà à murmurer des bonnes paroles pour le Seigneur? Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit élevé. Seigneur, le guérisseur, la force des faibles, le Dieu Père éternel qui n'a pas de fin. Alpha et Oméga, Dieu de grâce, Yahweh, Seigneur Jésus. Alléluia, roi de gloire. Qui est comme toi, Dieu de grâce? Alléluia, qui est comme toi, le véritable Dieu? À ton nom, tout genou fléchit. Nous n'avons que deux positions. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Parce que lui seul mérite le trône assis. Alléluia, Dieu de grâce. Nous te levons, Père. Nous te levons, Dieu de grâce. Au-dessus de toutes choses. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Alléluia, le Maître divin. C'est toi, Père éternel. C'est toi, Dieu de grâce. Tu es mon chaman, tu es mon Dieu, Père éternel, qui est comme toi, roi des gloires. Que ton nom soit élevé, alléluia. Le véritable chaman, c'est toi. Dieu de grâce, tu es notre Dieu. Chaman, au temps de la détresse, tu es là. Père éternel, roi des gloires, de secours, tu es là, yes. Nous t'élevons, Dieu de grâce. Nous t'adorons, Père éternel. Adonai, le Dieu sans frère. Chose, la chose arrive. Amen. Alléluia. Thank you.
accident et il y a là la vie bas ça la paralysé. Et ça n'a accident et il y a là la vie bas koufa. Mais ça accident malam kokuta nana Yesu. Et ça accident et pèse sa vie. Les accidents ont été sacrés à solo, vie na vie à moto. Yangota ou nazolo ba Jésus, nazolo bango avec assurance. Yangota ou nazolo ba Jésus, nazolo bango parce que na yebi, nanyo yazana katia bomo inanga. Je suis en train de proclamer le nom de Jésus dans ma vie. Je suis en train de proclamer le sauveur, le chemin de la vie, le chemin de la vérité. C'est lui qui amène au ciel. Quand je le dis, Jésus, il est merveilleux. Jésus, tu es bon. Jésus, ezali bakou malam kokuta nana yo. Ezali bakou malam kokuta nana yo. Jésus, alléluia. Asa Jésus, mais asa révéla kanaba kombo ebele. Peut-être na likambuna zala ki Jova Rafa. Peut-être na likambuna zala ki Shilo. Je peux dire Shilo. Je peux dire Shilo. Tu es réellement Dieu de grâce, Shilo, dans ma vie. Est-ce que nous pouvons le dire à haute voix, Shilo, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Dieu de grâce. Shilo. Comme toi, Seigneur Jésus. Si aujourd'hui les faibles peuvent dire que je suis fort, c'est à cause du nom de Jésus. Même si tu ne vois rien, dis que je suis en train de voir les miracles, je suis en train de voir une promotion, je suis en train de voir une guérison, et cela est une raison pour que tu adores Dieu. Je suis fort. Alléluia, roi des gloires. Je suis riche parce que je connais Jésus. Je suis riche parce que j'ai celui que l'or et l'argent appartient. Je sais voir parce que j'ai la révélation de Dieu. Pousse ton adoration encore loin.
primitive était en train de proclamer, c'est lui qui est mort et c'est lui qui est ressuscité. Nous acclamons celui qui est mort pour nous et nous acclamons celui qui est ressuscité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Jésus mort et ressuscité. Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Hosanna à l'agneau immolé. Il est mort et ressuscité. Hosanna à l'agneau immolé. Alléluia. Hosanna, Hosanna, roi de gloire à l'agneau. Hosanna, celui qui est mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna, l'agneau qui est mort et ressuscité. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites d'être honoré. Aucune personne sur cette terre ne peut mourir à ma place, ou ne peut mourir à la place de ces peuples. Voilà pourquoi nous t'honorons par nos acclamations, par les cris de joie. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Jésus mort et ressuscité, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit élevé. Alléluia, Dieu de grâce. Que le Dieu de grâce soit béni. Lui qui est mort pour nous, lui qui est ressuscité pour nous. Que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel seul, à Jésus et à Jésus seul, à Jésus et à Jésus seul. Que le nom de Dieu, que Dieu soit roi dans cette église, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Y a-t-il la joie de se retrouver ici ce matin? Que notre Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, l'adoration et la louange, c'est ta responsabilité. Amen. Bénis le Seigneur. Dis à ton voisin, il faut être dans la joie. Dis à ton voisin, il faut être dans la joie. Il faut avoir la joie. Amen. Dis à ton voisin, il faut avoir la joie. Lundi, on habite ma cambo et comme là yo. Mardi, on habite ma cambo malamo et comme là yo. Mercredi, est-ce que nous prophétisons pour la moto moko? Jeudi, vendredi, samedi, il faut être dans la joie. Alléluia. Et puisque David est en train de dire, la joie de l'Éternel la joie de l'Éternel Yebisa mawanga ozwanga lisusute. Obosana na adresse. Osakana na Christian ya kala. Est-ce que kocha kombo na osakana ya lelo azanga muto esengo. Ya lelo koma na muto esengo. Yebisa voisin pembeni ya lelo koma muto esengo. Yebisa voisin sima ya lelo koma muto esengo. Amen. Omona boepe ozu adresse ya 17 ans mariage. Kan esengo non on reçoit pas invitation. Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Nous sommes aussi dans la joie parce que Dieu est là. Nous sommes aussi dans la joie parce que la Bible dit la maison qui reçoit, c'est une maison. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir, moi je l'appelle le précurseur. Moi, je l'appelle le leader. Oui, il faut rassurer la nzela pour. Hein? Je suis Jean-Baptiste. Donc, on a mon nom, on a habité au photo salaka nzela. Alléluia. Je suis dans la joie parce qu'il y a des personnes dans la vie qu'il ne faut jamais oublier. Et il y a des personnes. Ce qui a zongi na ndakuana, c'est la confiance.
akoka kosuka ne pe na kasangulu akoka kosuka ne pe na ndakwete sala amen akoka kosuka ne pe lufwe safa amen vous maîtrisez déjà nyonso hein ma tadi na chambre haute to benga ngoni. Il nous vient en direct de la France. Nous voulons recevoir le pasteur Norbert sous vos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu bénisse à mon âme. Alléluia. Je veux me rassurer que tous nous sommes des vivants. Je veux me rassurer que nous sommes tous des vivants ce matin. Alléluia. Batubazana bomoi. Il faut m'approuver raison à bango cause à l'envie. Amen. Je regarde dans la Bible David qui dit à Dieu, est-ce que ceux qui sont dans les séjours des morts, est-ce que bakoko misaye? C'est pour dire à Dieu, parce que quand tu me laisses en vie, je fais quelque chose pour toi. Ah, je dis quelque chose pour toi. Est-ce que dans les séjours des morts, on va te reconnaître? Est-ce que dans les séjours des morts, on peut se souvenir des bontés inépuisables de l'Éternel? Tombola sur le boko le banzambe na lingina yokona tongo le prions le Seigneur. Nous te disons merci à toi, notre Père et notre Dieu. Tu as souverainement décrété que mon peuple sera enseigné par moi-même. Voici ce matin, nous sommes disposés d'être bâtis, d'être construits. Investis-toi en nous, Seigneur, par la parole que tu as destinée pour nous ce matin. Nous nous disposons pour toi, Père. Manifeste-toi et que ton peuple continue à vivre cette joie. Cette joie en toi, cette joie assurante, cette joie partage qui ne vient que de toi et des entrailles célestes. Ainsi soit-il, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Tozui ma Bible en abisso. Nous allons dans Mokanda et à Matthieu. Au chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Il y a 13. Nous autant. Jésus arriva sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire de Jean, qui suis moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Shalom, shalom, peuple de Dieu.
Nous sommes très reconnaissants ce matin pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Et tous alliés et singomakas, osanganasu sunabino elongo utongo alelo. Alléluia. Nous sommes très reconnaissants au pasteur Christian qui nous a fait confiance parce que andimilisu sunatongo alelo to kabola alilo bayanzambe. Na Ligomba Mobimba. Amen, amen. C'est une responsabilité que de prendre tes enfants au benga mutoya ko lesa bango. Parce que oyebi que okoki ko confier bana na yo na maboko mususu oyo ko komelo susu ngambu yo moko. Amen. C'est-à-dire que ayako télécharger na bana na yo ba programme moko boye. Et qu'on fait sa incompatibilité, et qu'on fait sa constipation. Mais quand un berger accepte, il s'engage à présenter quelqu'un d'autre devant l'Assemblée, c'est une grande responsabilité. Et pour avoir pris ce risque de nous accepter encore, nous lui disons grand merci. Et nous voudrions aussi pour ce peuple de Dieu, qu'on fait sa bino grand merci parce que le Seigneur voudra que ce matin, une portion puisse passer au travers de nous. Amen. Parce que parfois il passe sur nous, parfois il passe au travers de nous, et parfois il passe avec nous. Alléluia. C'est-à-dire, amen, amen. Nous sommes en train de parler de l'église primitive. Je bénis Dieu et je suis fier de vous de comprendre que vous êtes réellement une chambre haute. En Alobi, vous êtes réellement une chambre haute. Siko tunanga ponani. Nalobi, vous êtes réellement une chambre haute. Vous savez la différence entre la chambre haute et les autres dynamiques, c'est quoi? Dans les autres dynamiques, on fait tout ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que les gens étaient en train de manger, de boire, de fêter et de faire ce qui est la coutume. Ailleurs, les gens passent sur base d'expérience. Dans la chambre haute, on passe sur base de révélation. Ah. Est-ce que beaucoup permettent Ngana Loba? Bon, imaginez Totangi Awa. Le Seigneur qui veut bâtir une église. Il veut vérifier à l'obi. Au dire des autres, qu'est-ce qu'on dit de moi? Alléluia. Lolenge batmusu bazo mona pe bazoloba. Bazoloba nga naza nani. Yoka bato baza lié une expérience. Babie bon, ça doit faire Elie. Po baebi déjà. Ça doit faire Jérémie. Po baebi déjà Jérémie. Ça doit faire un tel. Ça doit faire un des prophètes. Pendant que tout le monde est en train de bâtir sur l'expérience, la chambre haute bénit Dieu parce qu'il va passer de l'expérience, il va aller vers la révélation. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Eh bien non, les uns pensent que tu es Jean-Baptiste. Ponanine, poba outo boma Jean-Baptiste kalamindite. Mais si on a Azala qui est convaincu que Azala qui est tellement moutonanzambe à cause de quoi? Et quand on voit le Seigneur sortir faire des choses, bah, le vite, comment dit Jean-Baptiste au Bobomak? Azala qui est tellement moutonanzambe, c'est-à-dire, les gens ont vu en Christ un prolongement des gens, c'est-à-dire, c'est l'expérience. Les gens ont vu en Christ un prolongement d'Élie, un prolongement de Jérémie, un prolongement d'un autre prophète. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu vas quitter l'expérience, tu vas aller dans la révélation. Ah, il faut quitter l'expérience. Alléluia. Ngambo expérience kapo ezala na limite. Okozala na kalo zala ki expert comptable na système wana. Lelo balobi au système wada. C'est-à-dire bato ba yekola wada bango ne ba expert yo komi mutwakala.
Ngambo expérience est comme ça mutu mutu akala. Mais avantage à révélation, c'est qu'on est toujours dans le nouveau. Et on est toujours dans le temps. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, tu n'es pas Moutouakala. Tu es dans la révélation. La révélation est toujours au présent. Et la révélation amène toujours tout au présent. Même ce qui est au loin, même ce qu'on pouvait regarder au loin, la révélation attire. La révélation les présente là-bas. Amen, amen. Mais voilà, le Seigneur veut bâtir. Mais pendant qu'il veut bâtir, il veut se rassurer. Pourtant, je constate que ma réponse est bien. Mais vous, c'est une question à quelqu'un qui est à tes côtés. Tout n'est, mais toi, tu dis quoi? Tout n'est, mais toi. Si les autres ont dit que c'est Jérémie, si les autres ont dit que c'est ci, mais toi, tu dis quoi? Je m'imagine que quand il a dit, mais vous, Bangonyo se mitte, me bête, boum. On se soit levé dans sa moitié, ma son apprécie réponse à ma bête, Bangonyo se kata. Quelqu'un d'autre dit, bon, moi je vais me réserver de dire, de peur que je dise n'importe quoi. Mais j'aime Pierre. Alléluia. J'aime Pierre. Parce que Pierre, c'est un homme extraordinaire. Tout n'en a pas d'année. Imaginez un jour Pierre, Oyazali Penza disciple à Yesu. Mais Yesu a dit arrière de moi Satan. Est-ce que vous supportez? Imaginez Baebelio Monsali Nanzam, Baebelio Mwana Nanzam, Baebelio tout. Et tu marches avec ton Seigneur et ton Maître. Obi Seigneur na lingito kufa. Ngao nyonsa komeka Seigneur Obi. Ngana dana mopanga, alakie déjà mopanga. Obi na nakata ki Marcus Litoy. Je suis encore prêt. Les choses du présent. Arrière de moi, Satan. Donc, Pierre a coca qui peut causer un anda. Ah, Seigneur, où est gratitude? On a peint le long, on a commis Satan. Je vais rassurer à quelqu'un ce matin. Même si pendant un moment tu pouvais jouer le rôle de Satan, tu es un enfant de Dieu. Ah, je dis que même si pendant un temps tu pouvais marcher ensemble avec Satan, mais tu es un enfant de Dieu. La Bible me dit que quand les enfants de Dieu allaient devant le Seigneur pour faire un rapport, ils avaient à leur côté qui? Tanga Job. On comprend de rien, banana nzambe ba yoko matana lola, ba pesa ba rapport. Ba kamwe pe vie Satan pe, ye wana. Yo pe, okoma hakati kote ou ebye, nakoma. Donc, on a comprendre que, à quoi m'a rappelé côté Kouna. Pourquoi m'a dit qu'on reconnaîtrait le Seigneur, notre Dieu, et son Maître aussi. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire, parce que tout ce qui se fait doit être bâti sur le fondement. Là, c'est pas la part que, yé, à mon rappelé par fondement. Père Ibi. Là, c'est pas la nepona yango. Maintenant qu'avant que le Seigneur puisse bâtir, l'église primitive, il y a eu des expériences ailleurs. Mais ce matin, nous voulons rentrer dans la Genèse. Donc, il y a des causes. Le principe où il y a une église primitive est valide. Alléluia. C'est-à-dire, l'église primitive, les gens l'ont appelée primitive, mais dans le lobby français, il y a une église primitive. Il y a une église primitive. Nandenga informe vide. Mais ce matin, nous voulons dire l'église primitive, l'église, il y a seul les opères à fondement. Bien-aimés, tout ce qu'on peut bâtir, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa splendeur, si on n'a pas rassuré les fondements, ça l'oukia quoi? Ça l'ampunda. Et l'autre côté. Parce que Dieu, quand il bâtit, il tient compte des principes d'architecture. Dieu connaît les vents puissants et forts. Comment ça se trouve? Dans ma direction à mes pères. C'est-à-dire, si on fait sa architecture, parce que lui sait que chaque bâtisse sera soumis à l'épreuve. Je voudrais seulement dire à ceux qui sont dans la chambre haute, le fait de vous isoler, de monter, est un peu grave.
Parce que quand tout le monde entendra les cris, boum, qui m'a qui n'importe où t'es, y a qui chambre haute. C'est-à-dire que ma quelle est la chambre haute, ça va attirer les gens. Bon, le problème c'est qu'ils vont venir. Mon problème c'est que quand les fusions se fait, boum, la Bible dit, le peuple a couru. Bah qui n'a bango na fête na bango. Bah fête comme d'habitude. Ils sont venus manger, célébrer, prier à Jérusalem. Mais quand il y a eu un boum, tout le monde s'est dit, allons voir. J'ai dit qu'ils viendront voir. Ah, mais moi je veux seulement te dire qu'ils viendront voir. Je voudrais seulement te rassurer qu'ils viendront voir. Alors nous allons parler d'un principe. Mais il y a une révélation, mais sortie d'une mauvaise bouche. Mais tout n'a pas de gagner. Une révélation, mais sortie d'une mauvaise bouche. Les Alakibou. Joseph, vous connaissez son histoire. Il vient, il s'installe en Égypte. Il a les privilèges de l'Égypte. Maintenant, ses frères restent dans la souffrance, ils doivent venir chercher la stabilité. Mais il arrive un moment où Joseph devrait mourir. Dis avec moi, Joseph doit mourir. Pourquoi Joseph doit mourir? Parce que Joseph est devenu une expérience. Joseph est devenu une référence. Moutoyebi qui attend à Salinanga Niniawa, Égypte va bousculer Ngate à cause de l'appui à Dieu. Tellement Azaka bien à Pharaon, on ne va rien nous faire. Alléluia. Mais voici que la Bible commence par renseigner que Joseph mourut. Alléluia. Et le Pharaon qui le protégeait aussi mourut. Na Pharaon, na Joseph, bangonyoso. C'est-à-dire que oh, ezala ki lokola expérience. Point d'appui, ezasusu te. Bien-aimé, parfois Dieu nous enlève ce point d'appui pour nous permettre d'expérimenter la nouveauté. L'expérience est abrutissaka. Et pas ça mutu so apiti agoye kolate. C'est comme ça qu'aux États-Unis, il y a des études qui ont été menées pour dire que si on a une entreprise à Sika, on a une expérience. On a une vierge d'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont malléables, ils sont comme la pâte. Ceux qui ont modélé, Mais si on a une expérience, on a une expérience. Et l'on a une c'est un principe à Sika. Mais il y a une ligaison qui a dit, ils sont à Kales. Oh non, biso tango to bandaka biloko yo, to bandaka Oh yo ya biso te, il a dit sur cette pierre je bâtirai. Ce qui ont bâti ya yo, mon pepe ko isa. Rassure-toi que ce qui se bâtit là, se bâtit selon l'architecte, Seigneur. Mais ce qui me fait peur c'est quoi? Tout nangani. Aussitôt il dit je bâtirai mon église, mais il ajoute les portes de séjour des morts. Oh Seigneur, mozo tongeloko. Mbala moko zo pesa information à porte de séjour des morts et assistants. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à un enfant de la chambre haute que ce que Dieu bâtit n'est pas exonéré des attaques parce qu'il me dit ils vous feront la guerre. Dans les îles là, personne n'a été déterminé. Donc tout le monde peut entrer dedans. Et erreur peut se retrouver dans l'île. Mais Zalande a courage. J'allais faire la guerre. Alléluia. Tu peux te retrouver en train de faire la guerre. Mais on se retrouvait. Mais j'étais en train de faire la guerre. Mais je faisais la guerre à qui? Et pardon. Tu reviens en bon enfant de Dieu. Viens renier à Dieu. Mais malgré qu'il a renié, les clés devaient rester chez lui. Je vais dire à quelqu'un, malgré ce reniement-là, les clés n'iront pas ailleurs. Les clés iront là où il y a la révélation.
Il dit, pour moi, tu es le Christ. Oh. Le premier Adam devint un être vivant. Le second Adam, lui, est l'esprit vivant. Mais maintenant, Père Azako décodé le Kohan. Seigneur Alobi, voilà. Les alliés parmi ma principe. Fondement l'église primitive. Premier fondement, ils allaient l'accroissement. Comment épeler? Tout en acte des apôtres, comment on a que nombre y a battu banaki koko là, jour au jour. Mate y a gamu kolomoko, 5000 personnes, 3000 personnes se convertissent. Waouh! C'est le premier principe, le principe d'accroissement. Mais ce principe d'accroissement, Satan a linga kango pété, a linga kabukaya. Alléluia. Voilà pourquoi dans la Genèse, on nous dit, tangu bana ya bato bakoma kikoya ebele, badongolo miso baye, baye kokoti sa philosophie na bango kati. Heureusement qu'ils ont été balayés par le Dieu. Je prie Dieu que tout ce qui amènera une autre semence soit balayé par le déluge. Je prie le Seigneur que toute autre semence soit balayée par le déluge. Que Dieu purifie son église au nom de Yeshua. Le principe d'accroissement. Et ce principe-là fait peur. Voilà pourquoi un autre pharaon qui est arrivé sur le trône. Un, à méconnaître Joseph. Vraiment, tu arrives au pouvoir, même dans la maison royale, tu vas trouver les photos de ceux qui t'ont précédé. Mais on méconnaître Joseph, c'est-à-dire, tu as quand même vu sa photo, tu as quand même entendu parler de lui, mais au bout, il n'en co. Pharaon a côté à Sigaza, il n'en co. Alléluia. Mais n'en co, il a peur des choses. Mais je l'aime pourquoi? Parce que pendant que le peuple était habitué, lui a vu autre chose. Il dit, ce peuple est en train de se multiplier. Ils sont en train de devenir nombreux. C'est déjà un pilier du danger pour nous. N'est-ce pas comme un bélé, c'est un danger pour nous. Quel danger, Bakibavandi la Kimia? Il dit à son peuple, ces gens, tels qu'ils sont en train de devenir nombreux. Un jour, ils vont se liguer à nos ennemis et ils nous feront la guerre. C'est-à-dire, non seulement qu'il annonce le principe de l'accroissement, mais il annonce en même temps le principe de l'unité. Deuxième pilier, l'unité. C'est-à-dire qu'à comprendre que quand ces peuples étant devenus nombreux peuvent former l'unité, réellement plus rien ne peut les ébranler. C'est-à-dire, quand ils formeront l'unité avec nos ennemis, ils vont nous casser, ils vont nous terrasser, ils vont nous tuer. Mais en même temps, Pharaon annonce un autre principe, le principe de la guerre. Ils vont se liguer à nos ennemis pour nous faire la guerre. C'est-à-dire, la chambre haute prépare en même temps des guerriers. Oh. La chambre haute doit préparer les guerriers. Parce que si on ne se prépare pas comme guerrier, quand l'adversité va s'élever, on sera malheureux. Le principe de la guerre. Parce que le Seigneur le dit, non pour nous faire peur, mais pour nous préparer. Imaginez, il envoie même à mission. Il dit, allez-y, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez, faites ceci. Mais il ajoute, il dit, vous serez comme des brebis au milieu d'eux. Le principe de l'unité. Bien aimé, l'unité, c'est une loi spirituelle. Ok? Déjà dans la Genèse, Dieu le fixe et Dieu le présente. Dieu a vu l'œuvre de l'homme.
l'œuvre de Babylone. Comment les gens étaient définis, déterminés à bâtir, à monter. La Bible a précisé que les gens avaient une même langue et les mêmes mots. Les gens avaient une même langue, comme si ça ne suffisait pas, ils ont encore les mêmes mots. Donc je comprends qu'on peut avoir la même langue, mais des mots différents. Ils ont parlé en lingala, mais avec d'autres mots. Mais l'église primitive, c'est là où nous devons apprendre une même langue et les mêmes mots. Cette unité-là doit être l'unité fonctionnelle. Nous devons être capables d'échanger, de communiquer avec les mêmes mots, avec les mêmes paroles, avec la même langue. Tokoma susute, yo lobi elamite, yo lobi grec, yo lobi kintan, yo lobi kiyans, yo lobi boy. Mais tokoma, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni qui. Tokoma, il y a son unité. La loi de l'unité. L'ennemi s'attaque aussi à cette unité. Il ne veut pas que le peuple soit dans l'unité. Et il veut quoi? À surcharger Bangou. À Bakisi Bangou Moussala Lobby. Traitons-les avec ruse. C'est Pharaon qui dit ça. Traitons-les avec ruse pour qu'ils puissent bâtir hors fondement. Or, quand on bâtit sans fondement, on bâtit en vain. Et si on bâtit une fondation, ce qui est ailleurs, vous voyez pour ton inda qu'on a ailleurs, au bossani va fondement au samboa. Alléluia. Parce que le Seigneur ne sera pas impressionné par les bâtisses. Le Seigneur va aussi se rassurer que là, les fondements ont été bien mis. Voilà pourquoi il y a une loi spirituelle qui dit, si les fondements sont renversés, que fera ta justice? Qu'est-ce que justice ferait? Parce que la justice, c'est aussi la cohérence. Dieu bâtit les choses selon les modèles. Ce qui est en dehors un modèle, Ezekiel, est à lieu. Quand Dieu donne une architecture, il donne des précisions. Vous bâtirez pour moi tel, la longueur sera d'autant, la largeur d'autant, la hauteur d'autant. Voyons tout le monde, le Seigneur, pour nous dire, parce qu'on te dit déjà, je bâtirai mon église pour qu'elle soit capable de faire face aux portes de ce jour des morts. Il viendra tuer la réputation. Il viendra tuer la croissance. Il viendra tuer l'unité. Il viendra tuer. Il viendra tuer. Il viendra tuer l'harmonie. Il viendra tuer la confiance. Il viendra tuer. Et ce qu'il va casser au finish, c'est ce qu'on appelle la certitude. Mais pendant qu'il veut faire ça, nous avons déjà dans l'ancienne alliance les gens qui ont apporté à ce peuple les fondements de ce qu'on doit utiliser dans l'église primitive. Jacob annonce déjà ces choses à ses enfants. Le retour, la sortie. Mais pendant que lui annonçait cela, les enfants sont restés en Égypte. Génération Wane Koufi, génération Mtsozomata. Ambition ya kozonge pana bangweza asute. Oh, comme c'est l'église où notre papa avait commencé. Voyez quand même que ça ne sera pas gentil que je puisse quitter. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dira. Bon, voyez, je ne suis plus trop convaincu, mais j'aimerais rester parce que notre maman est là. Dis au voisin, je ne veux plus la religion de mon père. Je veux la religion de la révélation. Parce qu'à un moment, j'ai dit, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, tu es aussi mon Dieu. C'est-à-dire que mes pères m'ont montré le chemin. Mais il peut arriver que mes pères fassent en même temps le travail, il y a banderole ou panneau de signalisation. Je suis très content de voir que parfois, panneau de signalisation, on est en train de faire un peu. Là, ici, on écoute un panneau à signalisation en plein boulevard. Alléluia.
C'est-à-dire, je ne veux pas en vouloir à mon père. Même si mon père était un grand païen, comme notre père, Abraham. Satan a été un mot pagan, n'est-ce pas? Mais c'était en même temps aussi un panneau. Parce que nakimo pagano newana a mesani bango na ambiance spirituelle. Même si c'était un spirituel dégradé de gauche, mais du moins il vous dit comme je suis habitué au spirituel, à telle minute panneau à signalisation vous dit le spirituel sera votre voix. Même si ton père lui-même ne priait pas, c'est pas parce qu'il voulait que toi tu ne pries pas, mais c'est pour qu'il te dise si moi je suis là, est-ce que toi tu peux pas voir le chemin? Ton père s'est retiré, mais en réalité, sa joie, c'est que toi là, quand tu vas faire des exploits, on ne dira pas, hé, Manjolo, on dira, de qui est-il, hein? Ah, aidez-moi, de qui est-il, hein? Mais il y a un seul exploit, tout le monde est pour elle. C'est-à-dire qu'au travers de lui, on sait voir la semence de son père. On dit qu'au travers de lui, on sait voir son origine. On sait qu'au travers de ses succès, le succès n'est pas que lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Oh. Imaginez quelqu'un fait l'exploit. On ne va pas télé ma boko. Mais bazo y bisaye, yoza moi nanani. Tiko tuna bango. Est-ce que papa mutabundi? Tuna yenan. Tiko zo tuna papa nangana. Papa mutabundi. Et la bonne information est que makati mukundeli wana papa no azana kati. Donc c'est-à-dire parce que comme moni moi na soso so attendi na nzungu, c'est-à-dire il y a quelqu'un sous. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a ton père dessous. Eh, pour ça le fond de te, il y a un père toujours passé. Ce père là c'est la fondation. Et quand ça bisika mutu so emona na te. Lo ba pena so érosion et makasi ne pas comme eh ta fondation yo. Même bara mingi on fournit un effort pour zipa fondation. Mais keba makasi édifice sa fondation. Fondation yandima a ça le fond de thé. Fondation a besoin de bâtir peinture thé. Fondation a besoin de bâtir carreau thé. Mais yende a simi ba carreau na peinture. Fondation. Bien aimé, nous avons besoin de ces fondements-là. Nous avons compris que, un, l'accroissement peut être infiltré. Donc, accroissement est un principe, il y a bien. Et vendre ici l'église primitive. Mais l'accroissement est cause à l'infiltrer. C'est-à-dire, pourquoi vous avez beaucoup mieux belé, mais vous avez sous nani à nani. C'est-à-dire que ton commission est en cafouillage. Mais il faudra que les preuves arrivent pour qu'on vérifie qui est avec nous. Parce qu'il y a des guerres. Dieu voudrait se rassurer que oko kende ko bundana batunyo sauté. Eh babi tumba mususu fo nzamba ebso chie acha. Tu amènes combien de personnes? Oh non Seigneur, j'amène 30 000 à l'obé. Bitumbo zo kende wana ya 3 000 te. Banda ko sali sa bango épreuve. Basusu ba melana no mai total. Soka meli mai bo atikala. Mususu akomelane mai te mitune la ye. Nani abali sika, unani ana besoin en fête. A kokokati a mitika nelawa. Misuzo otune na mabota eto. Justement, je voulais rester. C'est pour dire qu'à chaque combat, on ne va pas avec n'importe qui. Je vais dire à quelqu'un, à chaque guerre, on ne va pas avec n'importe qui. Voilà pourquoi à un certain moment, il faut que tu te rassures. Oui, le principe d'accroissement. Oui, le principe de l'unité. Mais je suis avec qui? Le Seigneur devrait se rassurer pour partir. Il est entouré de qui? Voilà pourquoi il vérifie. Au dire des gens, je suis qui? Vous savez bien ce que les gens disent. Et vous? Vous dites quoi? On continue comme on a pasteur. Non, on a pasteur, on a aventurier. Ah bon? Tu vois la même chose que nous. Voir les alliés très déterminants. Comment les alliés très déterminants? De Genèse à Apocalypse. Parce que celui qui voit est amené dans une autre dimension. Parce que la puissance de Dieu, c'est aussi de cacher les choses aux populaires, mais de les révéler aux autres. Et là, ça n'a plus besoin d'expérience, mais ça a besoin d'avoir le fondement, le Saint-Esprit.
L'Église primitive est fondée sur la conduite, l'orientation, le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit être celui qui conduit nos actions, de peur qu'il y ait trop de mélanges. Mutuna mutua kwa yana experience na yena masolo masolo yusi mbate. Mutuna mutua ya koloba muno kwa mboko wa hebi. Oya koloba elamit, oya lobi grek, oya lobi juif, oya lobi bo finalement evre yusi mbate. Mais faut savoir avoir l'unité du langage de l'esprit. Diversité d'opérations, mais un seul et unique. Bien aimé, nous devons prier pour que l'Église primitive, l'Église chambre haute, soit bâtie sur le Saint-Esprit. La Bible dit, il vous conduira. Si lui n'est pas là, il n'y a pas que déjà au Bunginzela. Tu te perdras. C'est un grand défi. Le fondement que le diable ne s'est pas cassé parmi les autres fondements que nous pouvons citer, ce fondement s'appelle la conviction. Nous avons acquis comme fondement l'unité, nous avons acquis comme fondement l'accroissement, la fécondité, le fait qu'il y a comme bébé. Nous avons comme fondement l'action du Saint-Esprit. Nous avons comme fondement la conviction. Bien-aimé, quand on n'est pas convaincu d'une chose, c'est déjà le départ pour l'échec. L'accroissement dont Pharaon avait peur, son cœur réel s'appelle être convaincu. Les enfants de Dieu ont compris que réellement ils allaient sortir parce qu'ils se sont souvenus des paroles de Joseph. Joseph dit, jurez-moi que quand vous allez sortir, vous allez amener mes ossements. Je suis content que Joseph ait accepté que Misuninae, Égypte, Ticolianae, Yango, Kasi Mikoua, Makas, etc. Ah, je veux dire qu'ils pourront prendre ce qui est prenable, mais Mikoua n'a pas Ticozoate. Ah, je veux dire à quelqu'un, Mikoua n'a pas Ticola en Égypte. Dans la Bible, Mikoua n'a pas Ticola en Égypte. Ta force, ton fondement ne reste pas en Égypte. Pourquoi? Parce que Bimana Yoka Kanamikua, et pas Iwapi Ozo Kende, il y a un spécialiste dans la restitution, Yamisunina Batando. Il a dit à son prophète, il dit, prophète, le prophète dit, Nio, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois plein d'ossements desséchés. Il dit, voilà. Voilà pourquoi Joseph ne devait pas laisser les ossements là-bas. Il fallait que les eaux viennent d'abord. Binoboti Kanana Musunikuna. Maintenant, toi, prophète, déclare, Misuniaya. Et quand le prophète a déclaré, le vent est, le vent d'ouest, le vent du nord, le vent du sud, pour restituer, pour amener, bien aimé, les choses ont pris corps. Les choses ont pris corps. A Monika Mikua, Ozala qui dispersait, Batando et Zongi, Misunia Zongi, et Baniko Kutana, ça constituait une armée. Pourquoi une armée? Parce que la guerre continue. L'avantage des ossements, tout peut revenir. Mais au travers de cette déclaration, Joseph était en train de dire à ses frères, « Ton mata, ton kita, un jour, bokosalanini, bokobima. » C'est-à-dire, il leur communiquait une conviction. Et c'est le pilier qui est inébranlable. On peut faire tout ce qu'on fait. Si on n'est pas encore arrivé à la conviction, c'est nul. C'est-à-dire, on est convaincu. Je vois des gens déclarer que je suis conscient que ici et ça, ici Canada. Je prie que ça devienne une conviction. Parce que si ce n'est pas convaincu, conviction, ça devient péché. Parce que tu pourras faire une déclaration que tu vas renier. Alléluia. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, péché. C'est-à-dire que la conviction est cette force. Voilà pourquoi quand le Seigneur demande au prophète, est-ce que Mimike Mikua wana ekokiko zongela na bomoi? Il lui répond avec conviction et dit, Seigneur, tu sais.
Je suis très conscient que toi tu le sais. Je suis convaincu que toi tu le sais. Je suis convaincu que toi tu le sais. Et comme tu le sais, et comme c'est toi qui le dis, tu le feras. Comme tu sais, comme tu l'as dit, tu le feras. Bien aimé, la conviction. L'Église primitive avait comme fondement la parole. Pas n'importe laquelle, une parole purifiée, la parole des disciples, la parole des apôtres, c'est-à-dire les gens qui ont été commissionnés, mandatés pour ça. Les gens qui ont reçu une onction qu'on appelle apostolique, c'est-à-dire la capacité d'activer tous les autres. Parce qu'en chacun de nous, il y a des grâces, il y a des faveurs, il y a des biens, il y a des choses que Dieu a déposées en chacun de nous. Mais ce n'est pas n'importe qui est capable de nous activer. Et comme pour bâtir l'unité, il fallait commencer par activer. J'active la grâce prophétique, j'active la grâce de ceci, j'active l'argent, j'active, pour que chacun vienne avec quelque chose. L'Église primitive, les gens amenaient quelque chose pour mettre ensemble. Mais il fallait que cette chose-là soit active. Pas seulement les biens matériels. Vous êtes plein de grâce. Vous êtes plein de faveurs de Dieu. Mais ne faisons pas comme dans les autres formules de l'ancienne église primitive, où chacun cachait au yaye, mais azo lukaka principal sacrificateur yone arrosé. Yo gêné, yo kené, prépare-toi pour le jour de Yom Kippour. Tu vas aller devant Dieu, tu vas demander le pardon pour nos péchés. Ngana zala na vinanga, yone salaka ba jeune, yone souffraka. L'église primitive nous amène dans une nouvelle dimension où chacun de nous est amené dans les sacerdoces. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il n'a pas voulu que Yosa la Kakuna, que les Kamounions se font ça là. Non, il a voulu que toi aussi tu sois dans la royauté et dans la sacrificature. Osa la non seulement na bonkumu, mais osa la peine na bonganga. Bonganga ko simbele la kapasi. Imaginez que quand tu fonctionnes comme un chef, Mpungu na yo, papa X mouta simba. C'est qu'un jour, moussou, ce niveau qui ne fonctionne quelque part, il y a boy. C'est qu'on s'en est. Oh non, chef coutumier, wana, qui sinaye, moi siné à l'ibosso mouta simba. C'est qu'un jour, au Kenos, un énième bureau, il y a tomboki. Et la colinga, ça la cérémonie, avec madame, y'a un nisanzou, betaka, un arabi, un betaka. Le Seigneur a voulu nous épargner de ça. Il fait de toi roi, il fait de toi sacrificateur. Saoul a souffert pour ça. Saoul a demandé qu'il fasse ça quelque chose. Mais le gars, le prophète a commis à noter, a commis à agiter. A commis à agiter. A mon nom a été allé à Sali sacrifice. Aussitôt, aussi, ce prophète a dit, oh, bolole, oh, Salia, où est-ce que tu en as le mandat? Est-ce que tu en as compétent? Le monde spirituel ne respecte que ceux qui ont mandat. Oh, Salima, c'est qui m'a frappé, oh, Balobi, je connais Jésus, je connais Paul, qui? Toi, tu es qui? Frappe! Le problème n'est pas ce que tu sais ou ta force physique, le problème, c'est le mandat. Et le problème est un mandat. À ta battue, roulage, moi, n'a mouké. Soit l'attique à tenir un rouage, j'ai un mandat. Et le problème, c'est le mandat. Le problème n'est pas là. Non, c'est un costauté. C'est un problème à costauté. Est-ce que tu as le mandat? Le problème, c'est pas être costaud, c'est avoir le mandat. Le Seigneur s'est rendu compte que t'es. Ce qui bonganga. Na bon kumu, et ça séparé, c'est un danger permanent. Voilà pourquoi il nous a fait de grâce. Il a introduit en nous et la sacrificature. Il a introduit en nous et la royauté. C'est-à-dire que pour opérer, je peux opérer tout en étant seul, mais j'opère
Parce qu'en moi, en réalité, je ne suis plus seul. J'ai quelqu'un en moi. Il y a quelqu'un qui a téléchargé en moi. J'ai quelqu'un qui a amené en moi des choses. Dans mon Paul à l'Obaki, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est quelqu'un qui vit en moi. Il faut qu'on y arrive. L'église primitive doit préparer les combattants. L'église primitive doit préparer des prêtres et sacrificateurs. Et ce jour-là, je vous appelais pour que vous puissiez. Quand on prépare un commando, on sait qu'il peut se retrouver seul. Avant que l'aide n'arrive, il va d'abord commencer à frapper. Il va commencer à tirer. Jusqu'à un moment. C'est-à-dire, même quand tout en reculant, il tire. Alléluia. Même quand il frappe là, il a peur, mais il attaque. Il a peur, mais il se défend. Ouais. Alléluia. Ça s'appelle le courage biblique ou spirituel. Bon année. Parce que dans mon kiliso, il y a courage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est 0-0 ma foi. Mais chez nous, quand on dit c'est un courage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ose, même s'il a peur. C'est-à-dire qu'en réalité, si on a un homme, au lieu de crier maman fouidi, mbalamoko bandi na langue, rekayama chobere ya baba, renonana yama oshekera, ondera kabada chakara babo, le chemere na maro yaba, le chikara babo kedere ya baba. Alléluia. Le courage ne veut pas dire l'absence de la peur. On peut avoir peur. Mais le souci de la peur était de nous éviter d'actionner. Mais nous, malgré qu'on a peur, on actionne. C'est-à-dire, j'ai peur, mais j'avance. J'ai peur, mais je m'engage. J'ai peur, mais j'intimide. J'ai peur, mais j'arrive. J'ai peur, mais je pousse. C'est là que Dieu amplifie le courage. Même les lépreux pouvaient entrer. Je m'imagine que Bataki déjà Makolo est si là. Mais moi, Ndambo et Tigalaki. N'est-ce qu'à Tambo, la langue, on est comme qui va lui. Armement, wana. Donc, on va nous faire. Ma commando, pendant qu'on a parlé. Ma char, wana. La monnaie de la génération, c'est qu'à toi, on va nous faire. Alléluia. Nous voulons prier que Dieu nous donne le courage. Hier, Pierre était incapable de témoigner devant quelques personnes. Mais il y a un Mais pendant qu'il pouvait avoir peur devant 3-4 personnes. Mais un jour, quand il est entré dans l'atmosphère de la chambre haute, quand il est entré dans cette atmosphère, les gens pouvaient être là. Alléluia. Les gens pouvaient regarder Pierre pour dire, mais garçon, est-ce que vous voyez qu'il y a tant à dire? C'est un pécheur. Mais imaginez, il soit le docteur de la loi, il va nous prêcher. Le problème est qu'il n'a pas l'expérience. Mais il a la révélation. Ah, je vais dire à quelqu'un. Alléluia. Il n'a pas l'expérience. Mais il a la révélation. Il n'a pas un titre. Comme la Vierge Marie. Azala qui n'a titre en église. Pendant qu'on va dire à Mosakoli,
sérilité na yo kobota muto akota kana lieu très saint ah nzambe kana noni bo moi si nanga triplement me reposer mais maman Maria ba yebisi maman robi ndio nazali mosali waye ne sale malokola ye arobi. Le problème n'est pas l'expérience et la révélation. Le problème n'est pas l'expérience, mais c'est la révélation. Oh, que Dieu te révèle davantage. Que Dieu te révèle davantage. Que Dieu te révèle davantage. Au nom de... Je vois des gens qui avaient beaucoup d'expérience. Job et ses amis. Job a l'hôpital, pas chez eux, ils ont un colo. La mystère est dit, non, on a l'expérience avec Dieu. Ce qui t'arrive là doit être un fruit de péché. Mon cher, c'est sûr que tu as péché, peut-être que tu as même oublié. Job aussi s'est défaillé, mon cher, moi j'oublie comment. Moi je suis même en avance des sacrifices. Même les péchés que mes enfants vont commettre quand ils vont dans la fête, moi déjà je paye. C'est-à-dire, je suis en anticipation sacrificielle. J'anticipe toujours. C'est-à-dire que moi, je suis moins surprendre. Et j'ai dit, non, je ne suis pas bon. Et si on a un peu de temps, je ne suis pas bon. Comme ça, tu as un peu de temps, déjà une garantie. Mais pendant que les deux expériences parlent, l'expérience de Job et l'expérience de ses amis, s'élève un petit. On l'appelle Elihu. Elihu arrive. Elihu arrive pour dire. Bon, le corps n'a pas été dans vos osons là. Lusitu, beto, panyanga, lusitu. Je vous laisse d'abord parler. Et lorsque les bambutas se sont tus, c'est alors que Elihu a parlé. Je voudrais t'annoncer ce matin, ils vont se taire pour que tu parles. Je voudrais te dire qu'ils vont se taire pour que tu parles. Et quand tu vas parler, tu vas annoncer la nouveauté. Voilà pourquoi il peut révéler une chose. Ah oui, c'est vrai. Vous avez parlé sur base d'expérience. Mais je vous dis aujourd'hui humblement, en réalité dans l'homme, hein? En réalité dans l'homme, hein? Ah, toi qui regardes l'âge, en réalité dans l'homme, hein? Et toi qui regardes le sexe, en réalité dans l'homme, hein? En réalité dans l'homme, hein? En réalité dans l'homme, hein? En réalité dans l'homme. Hein? La réalité dans l'homme, ce n'est pas la connaissance. On peut avoir la connaissance, mais manquer de révélation. La connaissance va rester là. Les gens connaissaient où devrait naître le Messie. Mais à Botami, va éviter. Il fallait que les mages arrivent. Ils disent, mais ton monnaie étoile là, yo, mon aki. Tu as tous les rouleaux. Tu as tous les rouleaux avec toi. Maintenant, il est né. Tu lis ça aussi. Est-ce qu'on est... Yeshua dit, amenez-moi les rouleaux. Il lit Esaïe. Il dit, ce que je viens de lire est en train de s'accomplir maintenant. Yo. Bon niveau. Dans l'expérience, nous on est habitué à repousser Dieu. Dans la révélation, Dieu est au présent. Ah, je dis, dans la connaissance, nous avons habitude à repousser les âmes. On sait que Dieu reviendra. On sait qu'il me guérira. On repousse Dieu au futur. Mais la révélation, c'est maintenant. Ça s'appelle l'immédiateté de Dieu. L'immédiateté de Dieu. L'immédiateté de Dieu. La chambre haute vient activer. Ce qui est immédiat, ce qui est présent. Parce que Dieu dit, je suis avec vous. L'immédiateté de Dieu. Ton message est mis pour repousser les âmes. Mais ce matin, j'annonce à quelqu'un qui est dans la chambre haute. Dieu est dans l'immédiat. Dieu est dans l'immédiat. Même si tu vas voir les choses demain. Dieu dans l'immédiat, c'est-à-dire il agit. Quand l'église primitive vient naître, mais ma fondation est autour de moi, la Genèse. C'est-à-dire que l'église primitive a des colonnes solides. Mais la finalité de tout ça, c'est d'être convaincu. Dès qu'on est convaincu, match ici. Je prie l'Éternel que tu sois convaincu. Que tu sois convaincu, Esikoya. Que tu sois convaincu de la semence de Dieu. Que tu sois convaincu de l'action de Dieu. Que tu sois convaincu de l'Éternel. Je préfère qu'on prie. On peut tout entendre. On peut tout voir.
même les miracles ne rassurent pas. Parce que je suis étonné de voir Batuba Moni Maiko Kabwana, Bayokana Natana di Solote. Batukomona mapa kokwea likolo, Bayokana Natana Sangote. Batukomona bandeke, bazakolia, Bayokana Note. Mais ce peuple reste incrédule. Ça signifie que le miracle ne suffit pas. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était un enseignant qui n'a pas été dans la sensationnelle. C'était d'abord pour vérifier. Le colabi mango exacte qui viendra. Comme ça que les gens ne viennent pas faire attroupement à cause du pain. Mais qu'ils voient que cet homme-là est venu seulement montrer les chemins. Il nous talente la bataille. Mais après, quand les gens ont vu aujourd'hui le chemin, la vérité et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Notre plus grand effort dans la chambre haute, c'est d'atteindre la conviction. On peut tout faire. C'est-à-dire que même quand nous prions, notre prière ne doit pas avoir comme base notre tête. Comme tu sais bien articuler ma français. Le problème, c'est qu'à tout le français, ma bien dans ma zoyo. Parce que Dieu s'intéresse à l'essence, à ce qui est le fondement, et non aux apparences. Tu peux être là en train de bien parler, en train de parler un français académique, mais quand quelqu'un viendra, il peut même pleurer dans sa langue maternelle. Yes. Amen. C'est comme ça que j'aime les langues maternelles. Le Saint-Esprit, quand il a parlé aux hommes pour qu'ils aient la conviction, il a parlé en langue maternelle. Il dit, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues d'intimité? Dans les langues, il y a des nuances. Parce que les gens n'ont pas une expression, parce qu'ils ne comprennent rien. C'est-à-dire que tu as entendu, mais tu n'as pas saisi. La crédit. Ça s'appelle le langage de la tribu. Nous voulons prier Dieu. La nouveauté de la chambre haute, c'est que nous puissions atteindre la conviction. Là, nous avons atteint la conviction, nous sommes en maturité. C'est-à-dire, nous sommes devenus inébranlables. Attends, yo lobi, pasteur Nabino wana muto magie. Le conduit à l'obacalobi, à la magicien. Je m'en fous. Yes. La chambre haute est tellement haute pour dire qu'elle est habituée à supporter mes pépés à ma casse. C'est comme ça que le jour que quelqu'un qui a la chambre haute descend, et ça, mon pépé, il s'est soufflé. Pas mes pépés à ma casse, ici à soi. C'est comme ça qu'il y a quitté, mon pépé, il est bousculé. Être dans la chambre haute, c'est faire déjà ces exercices. Comme ça, le jour que tu sors, moi, mon pépé, il a la macasse. Vous avez dit mon pépé, dans ma soeur, il a dit. Oh, il a la malili. En tout cas, toi, tu connais l'adversité qu'il y a là-bas. Yes. Tu as peur, tu es incertain, mais il faut que l'esprit vienne te convaincre. Et tu n'es pas seul. Et tu n'as pas fait fausse route. Et parfois, on a même l'intention de dire, est-ce que je peux reculer? Est-ce que je peux rentrer en Égypte? Non, on ne rentre pas. Yes, je ne rentrerai pas au nom de Jésus. Je sais qu'il y a des rivières. Il faut qu'un bâton s'élève. Et pour moi, on avance pour les gars. Vous avez un angambo Égypte. Mais angambo Israël, moi, pour moi, je suis un angambo. C'est-à-dire, c'est le degré à prendre le risque. C'est-à-dire tu es convaincu que n'aime ma connaissance au côté de moi. Mais côté pour nous nous on non fungola nanu comme ça to koleka. Bon, comme c'est encore en Égypte on ouvre. Koleki. Mais pour entrer dans la terre des promesses c'est la conviction. Le Seigneur, on ne croit plus au Seigneur, mais on croit le Seigneur. Parce que croire au Seigneur, mutunyo so andimi balobi atabanze lu atabasata na bayepi. Il croit que Dieu existe. Mais à ce niveau-là, on ne croit plus en Dieu, à son existence, mais on croit à la capacité de Dieu d'agir. Quand il a dit, yes, sa parole est oui et amen. Yes. Quand il s'est dit, entre dans l'eau, tu entreras dans l'eau au Kosinate. Quand
quand il te dit entre dans le feu, tu entreras dans le feu. Parce que l'expérience du feu n'aura aucun effet sur toi. La conviction ne vient pas des repères humains. Moutoualinga kavan s'engage ne l'okonyos. Moni moutoso aibi nage. Réflexe ne zala kana maya kota kapu. Ameka kamozindo. Ameka kamozindo. Ameka. Et tu verras que l'eau qui coulait du temple, les prophètes devraient aussi faire cet exercice. Oh. Ici, l'eau est aux chevilles. Problème T. Ici, l'eau est aux genoux. Problème T. Ici, l'eau est à la hanche. C'est bien. Et ici, c'est déjà vers la gorge. Ah. Aussi longtemps que tout, tu les mesures sur toi. Tu n'es pas encore arrivé. Dans l'église primitive, nous devons avancer, avancer, jusqu'à arriver à un moment, tu ne sais plus mesurer la profondeur sur ton corps. Mais tu mesures la profondeur par la capacité de t'amener. Ah, que l'esprit de l'éternel te calme. Yes. Lève ton pied. Jésus. Que le Dieu des grâces soit. Nous allons prier pour la conviction. Yes. C'est bien d'entendre les choses. Yes. C'est bien que les choses nous fassent du bien. Yes. Mais est-ce que sommes-nous convaincus? Yes. Ce qui pourra bâtir l'unité véritable, c'est la conviction. Amen. Sinon, on viendra pervertir vos langages. On viendra vous dire d'ailleurs, j'étais quelque part, on dit, ah, pasteur Nabinowana, magicien. Quand il fait le surnaturel, ça devient un zambia magie, problème. Quand vous dites que c'est lui qui a nous est tout puissant, que c'est lui qui est dans le monde, mais vous n'en avez pas la conviction, c'est nul. Voilà pourquoi nous allons prier que le Seigneur nous communique la conviction. Parce qu'on ne peut pas prier sans conviction. On ne peut pas venir dans une église sans conviction. On ne peut pas suivre un leader sans conviction. On ne peut pas être serviteur sans conviction. Manquer la conviction, c'est un danger. Commence à prier, Dieu Seigneur, qu'il donne la conviction. Qu'il te donne la conviction des choses que tu es en train de faire. Qu'il te donne la conviction. Qu'il te donne la conviction. Est-ce que tu peux hausser ton ton de la prière? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, donne-moi la conviction que mon église est porteur de mon miracle. Donne-moi la conviction que mon église est en ce lieu. Que mon église, c'est là où je vais accoucher des grandes bénédictions, bien-aimées dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, donne-moi la conviction. Donne-moi la conviction. Bien-aimé, la prière ne se fait pas assis, la prière se fait debout. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, j'ai la conviction que cette année ne finira pas ainsi. J'ai la conviction que je suis un homme béni. J'ai la conviction que je suis une femme bénie. J'ai la conviction que mon église, c'est là où Dieu va me bénir. Que la chambre haute, c'est le lieu de la maternité de ma vie, la maternité dans tous les domaines, la maternité dans tous les domaines. Commence à dire au Seigneur, j'ai la conviction que Jésus-Christ est la force des faibles. J'ai la conviction. Commence à parler, commence à dire au Seigneur, j'ai la conviction. À Dieu vous serez affermi et à l'homme de Dieu vous réussirez. Dis au Seigneur, j'ai la conviction. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, La conviction est plus forte. J'ai la conviction que je suis guéri. J'ai la conviction. Alléluia, roi de gloire. J'ai la conviction. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, J'ai la conviction que Nzamba Zamoko qui s'habille la canaille. J'ai la conviction que ce que Dieu a fait comme
en promesse, cela va se réaliser. J'ai la conviction que les enfants vont étudier. J'ai la conviction que le Dieu de grâce va me bénir. J'ai la conviction que les projets que je suis en train d'attendre, bientôt là, le Seigneur va décanter. Je ne vois pas ta conviction dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut être convaincu de son Dieu? La conviction prie. Que l'Esprit te communique cette conviction. Que l'Esprit de Dieu te communique cette conviction. Que l'Esprit du Seigneur te communique cette conviction. Que l'Esprit du Seigneur te communique cette conviction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Que l'Esprit du Seigneur te communique la conviction. Au nom puissant de Jésus. Écoute ceci. Nous allons prier. L'orateur a dit dans Exode, il a dit à son peuple, regarde ce que Pharaon fait. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. J'aimerais traduire pour dire, voilà la chambre haute est en train de former un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Et Pharaon dit, allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ma plan yon son pharaonique. Ozo linga chambre ote sa kouatete. Tozo bete maboko. Tozo bebi sa ango. Par le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec conviction? Ma plan yon son pharaonique. Oh diable azo sala. Pour que chambre haute sa croix traitée, bien aimé, aux bêtes à ma boco, aux repoussés en haut, aux télémés là en haut, par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Laisse que Père éternel, ma plan yon so, y'a Pharaon, ou y'a zo sala, pour na chambrote, et sa croix traité, na zo déclaré, par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'église primitive, sa force était dans l'accroissement. Je déclare aujourd'hui, dans mon église, tout plein de l'ennemi qui fait à cette, ton colaté, ton coma mounenete, nous ont déclaré, et ça la nul et sans effet, par le nom puissant de Jésus. Yes. Abashata Ramasa. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... J'aimerais dire à quelqu'un, l'église est comme cette femme qui doit accoucher les bonnes personnes. Qui doit accoucher la bénédiction du peuple de Dieu. Mais regarde Pharaon à l'obi. Donc, t'in de la bangoba sage femme. Avant que bangoba accouche, t'en étrangler déjà. Ça, c'est le plan du diable pour l'église primitive. Cette église doit accoucher ta bénédiction. Dans cette église, tu dois accoucher. Yangozo et Sanzam, Moto Nyoso, Plan Nyoso et Salami. Pour l'église, on a Zoali Pamboli, Nanate, Nazo détruit Yango, Nakombo, na Yesu Christ de Nazareth. Commence à prier. Ton mariage est en ces lieux. Ta bénédiction est en ces lieux. Mon salaire est en Sikao. Promotion est en Sikao. Vie à Banana est en Sikao. Pendant qu'on neutralise, ma plan yon soit ennemi. Neutralise. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que toi seul, bien-aimé dans le Seigneur, diable à quoi qu'on vous dise église dans yo. Quoi y a promotion, quoi y a réussite, quoi y a mariage, quoi y a naissance. Y a un gros beau, y a un gros combo na Jésus. Au nom puissant, bien-aimé, fais la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre na combo na Jésus-Christ de Nazareth. C'est la guerre na combo na Jésus-Christ de Nazareth. C'est la guerre na combo na Jésus-Christ de Nazareth. C'est la guerre na combo na Jésus. C'est la guerre na combo na Jésus. C'est la guerre na combo na Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, osons ça la guerre, osons ça la guerre, osons ça la guerre contre bateau Nyonso, osons ça la guerre contre mi pepe Nyonso. Oye koki goya, pour combattre l'église na yo, pour yiba o bénédiction, osons ça la guerre, osons beta maboko, osons ça la guerre, osons matisa prière, osons beta maboko, osons tinda moto, osons ça la guerre, osons baby ça, osons baby ça, osons ça la guerre, osons tinda ba char de combat. Ozo sa la guerre, ozo bete maboko na yo, e baluka moto, maboko na yo, e baluka puissance, ozo sa la guerre, ozo sa la guerre, faisons la guerre, faisons la guerre, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus qui c'est de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus qui c'est de Nazareth. Eh bah, osons à la guerre, osons à la guerre, osons à la guerre contre ma pharaon, ma charia ma pharaon, Ezinda, Ezinda, et se noyer, 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 yes. Et se noyer, Père éternel, Nadon Boyalelo, ma pharaon Nyoso, armée à pharaon Nyoso, Oelanda Kangai, Ezala la Kat Église, Nazo déclaré, Mère rouge, aimez la bango, Mère rouge, aimez la bango, que le sang de l'agneau, aimez la bango, que prière Nangai, aimez la bango, ma déclaration Nangai, Oeza conviction, aimez la bango, yes. Au nom puissant de Jésus. Raïdebo, Shakaya Baba, Radebo Sabrai, Rabaïdebo Satarabasa. Aimez la bango, yes. Aimez la bango, yes. C'est Menoyo, Modonio Sorolandangai. C'est Menoyo, Esprit Sorolandangai. Maladie golandangai, ma soda butuba golandangai, baza la noyer, eza la pona nga, eza la pona bana nga, eza la pona musala namba. En nom puissant de Jésus, Rabba Shata Rabasa, Ekeye le bosh, Kerie se terie mene le bosh. Que la chela basata rabababa, reba il est beau, chene le bos, laïque le beau, chanda rabasata rabasa. Yes. En nom puissant de Jésus, écoute, je déclare, pendant toutes les années que tu as fait en Égypte, pendant toutes les années que tu as fait dans la souffrance, pendant toutes les années que tu as fait dans la servitude de Pharaon, je déclare que ton église vient proclamer aujourd'hui que tu sois libre, que tu sortes de l'Égypte, que tu sortes de l'Égypte, que tu sortes de l'Égypte. Cette semaine, que tu sortes de la souffrance, cette semaine, que tu sortes des problèmes, cette semaine, que tu sortes des situations difficiles, cette semaine, est-ce que tu as la conviction, cette semaine, que tu sortes des situations difficiles, que tu sortes de la mort, que tu sortes des angoisses, que tu sortes des chicotes des pharaons, que tu sortes du travail de Ramsès, au nom de Jésus. Ton église vient proclamer. Dis avec moi, mon église vient proclamer. La chambre haute vient proclamer. À partir d'aujourd'hui, la bassesse
l'esprit de la médiocrité, la sécheresse, les mariages retardés, les finances retardées. Je suis sorti au nom de... La chambre haute vient de déclarer. Ton église vient de déclarer. C'est un décret loi.